Donc Bertrand Guéry, marié, papa de deux enfants, Bastien qui a 23 ans et Justine qui a 18 ans, et j'habite à Cugelépin. Alors je suis un papa plutôt gentil, plutôt gentil, j'aime bien déconner avec mes enfants, généralement il n'y a pas trop de pression avec eux. Assez déterminé, je sais ce que je veux quand même. Mais je ne suis pas trop exigeant quand même avec mes enfants. Ce que je veux, c'est qu'ils fassent des métiers plus tard pour lesquels ils prennent du pied. Et c'est, comme on passe beaucoup de temps quand même au travail, c'est important de faire un travail qu'on aime. Alors mes passions, j'aime bien la marche. En étant à Cugelépin, on a pas mal de petites randos à faire autour de Cugelépin. J'aime bien les chiens aussi. J'étais maître chien à l'armée. Donc j'ai pas de chien, mais j'étais maître chien. Alors, ma plus grande leçon de vie, c'est qu'il ne faut pas avoir trop d'assurance, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut se prendre des bonnes plaques dans la vie, dans l'expérience de vie. Donc ça se fait au fur et à mesure de ton expérience professionnelle, où des fois tu peux te prendre un peu des revers de médaille. Et donc ça te permet de forger aussi après ton caractère. Ah, alors il y en a plusieurs. J'aimerais bien faire des voyages, mais enfin je pense que c'est des voyages qui seront réalisables, notamment faire mon voyage de noces, parce qu'on ne l'a jamais fait avec mon épouse. Ça serait quand même un rêve que j'aimerais faire prochainement, assez rapidement, dans les moins de 5 ans. Et puis après moi j'aime bien me balader, voyager aussi. Partir un peu comme ça, sans trop d'itinéraire, sans d'hôtel, sans des trucs organisés. Donc faire un peu d'itinérant, rencontrer les habitants, je trouve que c'est quand même pas mal. Tu partirais où en voyage? Alors il y en a plusieurs, j'aimerais bien l'Amérique du Sud. J'aimerais bien l'Amérique du Sud. J'aimerais bien le Vietnam aussi. Bien aller et puis un peu les pays style Norvège, Suède, Écosse, voilà, et puis un peu des îles aussi quand même. C'est assez diversifié. Alors mon parcours professionnel, donc moi j'ai commencé dans le transport en 97, donc au niveau de la messagerie. Donc, j'ai un parcours qui est assez atypique, hein, qui va pas se résumer en 30 secondes. Donc, j'ai commencé ma carrière chez les transports Maury à Alençon en Normandie, une toute petite agence, où j'ai eu la chance d'avoir une formation pendant un an et demi au sein d'une entreprise de transport. Je ne connaissais strictement rien au niveau du transport. Et on m'a formé à tous les métiers dans le transport. Donc j'ai commencé en tant qu'opérateur de saisie. Après, j'ai fait du SAV. Et après, le soir, pour gagner un peu plus de sous, j'allais charger les camions. Après, j'ai fait de l'affrètement. Et après, j'ai fait de l'arrivage. Et une fois que ma formation a été faite, pendant à peu près 16 mois, il y avait une place de commercial junior sur l'agence de Maury au Pen Mirabeau. C'est comme ça que je suis arrivé en 99 dans le sud de la France. J'ai pas réfléchi, j'ai foncé tout de suite, j'ai dit banco, je vais aller dans le sud.
Et donc, après, j'ai fait des transports à Loing à l'époque, qui ont été rachetés par Cunilagen. Après, j'ai fait transport du Gourneau à Flassan. Après, je suis parti chez les transports Roca, transporteur corse, toujours en tant que commercial. Après, je suis revenu chez du Gourneau. Après, je suis reparti de chez du Gourneau pour aller chez les transports Mazet. Après des transports Mazet, j'ai fait des transports Transcargo à Vitrolles. Et maintenant, je suis revenu chez les transports du Gourneau. J'espère finir ma carrière chez les transports du Gourneau. Il arrive à un âge où il faut un peu se poser. Alors, ce qui est très bien quand même dans tout ça, parce qu'il y a quand même du positif, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'incertain, c'est qu'il y a toujours des bonnes choses à prendre dans toutes les entreprises chez lesquelles on va, et je trouve que ça fait une ouverture d'esprit assez large sur la façon de travailler. Il y a des process qui sont en place dans d'autres transporteurs qui sont très bien, qui peuvent être dupliqués chez nous. Donc, c'est toujours bénéfique. De toute façon, il faut prendre le bon. Elles se sont énormément professionnalisées parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait, enfin, je parle de Ducournau là, quand j'ai démarré moi dans la région, on avait quand même un peu le monopole sur le Var et les Alpes-Maritimes. On était un peu moins connus sur les Bouches-du-Rhône, donc moi j'avais plus à vocation à aller sur les Bouches-du-Rhône. Et c'est vrai qu'après, on a eu affaire aux transports de messagerie qui se sont implantés. Je pense au transport Belmonte qui était localement ici, qui ont été rachetés par les transports Alloin, ce qui a fait l'ouverture de Alloin ici. Et donc ça a permis, alors pour les clients, forcément de faire des économies, parce que qui dit nouveaux arrivants, dit agressivité tarifaire. Ça, je l'ai connu dans les différentes boîtes que j'ai faites quand on a une implantation sur un département où il faut vite remplir les navettes de groupage pour que ça puisse être rentable assez rapidement. Et donc ça permet de se remettre en question et puis d'apporter un service qui soit le mieux possible pour le client. Alors, en ce moment, on parle énormément d'écologie et c'est vrai que ça, on le ressent assez fortement pour des gros faiseurs. Des clients qui nous demandent de plus en plus notre politique environnementale. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est quand même une chose, il faut qu'on l'ait dans un coin de la tête. Mais je pense que dans les quelques années à venir, si on ne prend pas le virage, on pourrait avoir un préjudice quand même par rapport à ça, parce qu'une fois que le train il est en marche, pour le reprendre en route, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que ça peut nous pénaliser. Alors, il ne faut pas tout faire du 100% vert et compagnie, parce que je pense que ça c'est un peu utopique et c'est irréalisable dans notre métier. On aura toujours besoin de camions pour livrer les clients, on aura toujours besoin des camions pour amener la marchandise au plus près. Alors il y a le rail route, il y a le gasoil un peu vert avec le colza, etc. Il y a l'électrique, ça c'est plus pour de la livraison dernier kilomètre. Mais et puis je pense que ça va aussi encore évoluer par rapport à tout ça. Donc il faut quand même se le garder dans le coin d'une tête, parce que je pense que ça nous sera demandé au niveau des clients, un critère, je pense, de choix au niveau de leur transporteur dans les années futures. Alors les trois meilleures raisons, je dirais réactivité, souplesse, professionnalisme. Merci à tout le monde de m'avoir écouté pendant ce temps d'échange. Et puis bon courage à tous. Et puis faut toujours croire en soi, c'est toujours être motivé pour aller travailler. We'll be right back.
Sucré ou salé? Sucré. Viande ou poisson? Viande. Mer ou montagne? Mer. Chaussures ou basket? Chaussures. Avion ou train? Avion. Chien ou chat? Chien. Film ou série? Film. SMS ou vocal? SMS. Hôtel ou camping? Camping. Comédie ou horreur? Comédie. Je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps.